Non, je vais pas battre le record. Franchement, je me demande qu'est-ce que je fais ici, hein. Quoi? Non, rien. J'ai pas apprécié que t'aies pas voulu m'embrasser. Donc tu vas le payer. Tu sais, si c'est ça, je pars, hein. Bah vas-y. Sérieux? Tu fais ce que tu veux, Kelly. Non mais déjà, je m'attendais à ce que t'arrives avec des croissants et des pains au chocolat. Non mais attends, non mais qui se fout de qui là? Non mais je rêve. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle me reprend la tête. J'ai plus d'eau, tu veux pas aller au Passy Plaza acheter de l'eau? Tu fous ma gueule là. Oh ça va, on détend. Mais pourtant on est encore... Quoi? On est encore dans le temps où les femmes, celles qui font les courses, qui vont chercher des cigarettes... Mais moi je suis assez... Des packs d'eau... Non mais je suis assez... Je suis assez d'accord pour revenir à ce temps-là. Ouais, bah alors pas du tout, tu vois. Mais quitte à ce que ça coûte un peu plus cher aux hommes, tu vois, mais je suis assez d'accord pour revenir à ce temps-là. À ce temps-là où t'avais pas le droit de baiser avant le mariage aussi. Waouh. Sauf que là, ça ferait mal pour toi. Il y a beaucoup d'oseille en jeu là, tu vois. Vincent. Je suis pas là. Check. Ton tapis. Il y a dans ton tel. 5. Comment ça mon tapis? 100. Comment ça mon tapis? 150. Mais t'es horrible! Mais t'es horrible! Où tu passes? Mais ça veut dire que si je passe, j'ai tout perdu? Non, si tu passes, tu gardes tes jetons. Mais oui, je garde mes jetons. Mais si tu payes. Je garde mes jetons, y a pas moyen. Allez, oh voilà, voilà, c'était tellement sûr qu'elle t'a avancé son tapis. Allez. Ah, tu m'énerves. Allez, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon. Ah bah vas-y, hein. T'as plein de gens, c'est pas possible. Ah, je déteste. Je suis dépité. Larry, t'as envie de faire les cartes? Ouais, bien, allons-y. Hein. Tu peux avoir le paquet de cartes que t'as monopolisé pour le chercher. Non, tu peux m'en donner les cartes, s'il te plaît? J'ai pas envie. Ah, t'es une prise de tête, putain. Jamais les femmes à une table. Jamais. C'est pour distraire, c'est ça? Non. La femme doit quand même évoluer. On est dans une période où la femme évolue. Mais quand même. C'est tout? Putain, mais qu'est-ce que tu peux être blonde? T'inquiète pas, c'est bon, il a rien. Ah, t'es relou. C'est bon, désolé. Bah, putain. Tu me connais, mais tu me connais. Ouais, vas-y. Ouais. Je le sentais venir en plus, je le sentais venir. Alors c'est là le nouvel appart, il est sympa. Attends, ouais, t'inquiète, je vais t'ouvrir. C'est très très sympa. C'est à toi la chambre à côté? Ouais, c'est moi la chambre à côté. Attends, c'est pour parler. Eh ben je suis dedans. Ça a l'air super bon ce que t'es en train de faire, putain, je suis raconté. Bah écoute, moi ça me... Tiens, franchement... Bon, si je meurs... ouais. Je délègue tout ce que j'ai... Tu me donnes ton briquet... À une de mes gonzesses. Bonjour, tu m'avais pas prévenu que t'avais des voisines Pas encore, je connais pas tout le monde. D'accord. Je suis arrivé à quelques jours. Ok, d'accord. David est fidèle à lui-même. Non mais... Attends, quand t'as un coup comme ça, tu m'appelles tout de suite. Mais t'as, te fais pas de soucis. Mais pas trop fort, après tu vas m'aider. Laisse-moi... Vous habitez ici? Ah bah alors je vous présente Alexandre, qui est votre nouveau voisin. Voilà, il s'installe ici. Bonjour. Maintenant. Voilà. Voilà, c'est pour ça, mais je connais pas tout le monde. C'est quoi vos prénoms? Morgane. Morgane et Juliette. David, enchanté. Je l'ai eu! Rattrapage.
Rattrapage. Mais j'ai eu 3 en histoire. Rattrapage. J'ai eu 3 en histoire. Tu veux, mon pote. T'aurais gagné, même, je pense. Et qui c'est qui t'a entraîné à jouer? Enigma. Je suis bon élève. Peut-être. Peut-être. Mais écoute, on boit un truc, là, tu veux quoi? Je sais pas, je demande. Tu te lèves ou je me lève? Tu te lèves. C'est les plus jeunes, hein. Ouais, mais allez. J'ai gagné 3-1. Allez, s'il te plaît, je suis crevé. Je reviens de Barcelone, tu le sais. Après, je te raconte Barcelone, si tu veux. Allez, allez. Qu'est-ce que tu veux boire? Viens un Perrier Menthe, moi, s'il te plaît. Ah bon? Ok. Allez voir ça. À côté de Barcelone, Paris, c'est... C'est la cathédrale du curé Saint-Pierre. Non, je te jure. Je te jure, mon pote. C'est juste... Waouh. T'es parti plein de potes dans un appart. Moi, je pense qu'on ne rendra pas la caution, mais on a tout détruit. On a retourné la ville. C'était juste oufissime. Quoi ? Ah ouais, c'était boîte tous les soirs. En fait, c'est facile. Pourquoi on n'a pas tellement bronzé ? On est plutôt vert-jaune. Tu vois, les journées, on dormait. Et la nuit, on se levait. Donc vraiment, genre trop propre. Comme il fallait. Le mot, honnêtement, c'est détente. Everything in the détente. On attend quoi? On attend l'agence, quoi. Non, mais là, c'est mieux parce que c'est proche de chez moi. J'ai à la fois les avantages sans les inconvénients. Je peux déposer le linge. Pourquoi tu vas pas faire ton linge tout seul? Là, j'ai pas beaucoup de route. C'est plus simple, c'est la mère qui fait le linge, quoi. Si un jour j'ai plus rien à manger, tu peux aller chez moi. Quand même, t'as le boboon à côté, alors... Ouais, mais je vais pas m'intoxiquer au boboon toute la journée, quoi. T'as un monoprix juste là. Bah, tiens, viens faire les courses. Bonjour. C'est Guy, David. Alors, vous avez l'ascenseur qui est ici. Ouais. Je pense qu'on va pas tous rentrer, donc je vais prendre... Ok, c'est quel étage? Mais c'est au 6ème, donc... Enfin, si vous voulez, on peut plusieurs... Ouais, on va prendre l'ascenseur, parce que c'est l'étage... Je vais monter à pied. Vous montez à pied? Oui, c'est ça. Ah non, mais je peux pas laisser une femme monter à pied, quand même. Oh, putain. C'est dommage que ce soit pas juste en face, que là, t'avais la vue sur la tour Eiffel, en face. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À moins d'enlever les toilettes et de faire qu'une douche, on peut pas... Non, ça, c'est sûr. Oui. Ça veut dire que les douches à deux, c'est terminé, David? Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Des priorités. Exactement. Super. Super. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Je peux vous appeler ce soir? Alors là, c'est mon prénom et mon nom. Ouais. Si vous avez le numéro de l'agence. Et je fais comment si je veux le numéro d'Alexa? Alors, je peux vous donner aussi le numéro de portable. Alors, par contre, j'ai pas de stylo. Moi non plus. Vous non plus. Je vais trouver un stylo, je suis sûr que je vais trouver un stylo. Ah, je vois qu'il y a un petit crayon ici. Ah, super. Super. Alors, c'est 06. Ouais. 60. Ouais. 16. 16. 34. Super. Vous venez de terminer vos études ou ça fait longtemps que... Non, ça fait un petit bout de temps là que je travaille. Un petit bout de temps? On lève les pieds, hein. Quoi? Faut lever les pieds, David. Un problème? Moi, j'habite rue Nicolo pour l'instant. J'habite chez mes parents. Et là, ça y est, je viens d'avoir mon bac. Je rentre à la fac.
et donc je voulais prendre mon émancipation. Je voulais me libérer de l'emprise parentale. Ah oui, moi toujours, moi j'ai 17 ans, donc... Les petites. Tu t'aimes les petites, alors? Quoi? Non, mais... Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On y va, Célie? Je te dis au revoir, quand même. Oui, bah oui. Bonne journée. Merci, toi aussi. Ne touche pas, arrête d'agiter. Tu peux abréger, je suis désolée. Mais pourquoi tu veux que j'abrège? Parce que je suis là, je suis venue, je veux dire, voilà, mon temps aussi, il est compté. Qui te dit que j'avais pas d'autre chose à faire cet après-midi et que je me suis quand même dit, bon bah voilà, ça peut faire plaisir à t'es ta vie. T'es restée ou pas? Bienvenue. Bah fallait te casser dans ce cas-là si t'avais autre chose à foutre, je comprends pas. T'as quelque chose à dire? Non. Non, bon bah je vais partir alors. Ok. Je te raconterai. Je suis poli quand même. On va rester poli quand même. Tout ça. À la prochaine. À la prochaine. Bon. Allez, David. Allô? Salut. Ah, bonjour. Ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. Comment s'est passé tes vacances en Turquie? Très bien. Je voulais... Oh là, je te sens un peu froide, je te sens un peu énervée. Je voulais m'excuser pour le café, mais ça s'est un peu précipité avec les résultats du bac, les oraux, les machins, les conneries comme ça. Mais on peut peut-être reporter ça. Ouais, mais envers quelle heure? L'heure qu'il te faut. Si tu veux, moi, je peux peut dire 14h, 15h, 16h, 17h, ce qui te plaît. Bah écoute, je t'envoie un texto ce soir pour te dire vers quelle heure, ok? C'est très bien, on fait comme ça. Ok. Salut! Bonne soirée. Et ben voilà. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de drapeaux français. On est piqué deux au siège de l'UMP. Parce que honnêtement, on est français quand même, tu vois. Voilà, en plus, ensemble. Où est-ce qu'on peut mettre ça, là? Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez pas un petit livret? Il y a des jeux de l'été aussi. Sûrement pas. Alors là, sûrement pas. Vous emmerdez jusque sur les plages. Pardon? On va rester poli. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous déranger 5 secondes? La caravane de l'UMP. Un petit livret sur l'Europe et les réformes. Tiens, il y a des jeux. Tu peux faire des jeux de plage. Ça vous intéresse pas? Et alors toi, j'ai un truc qui va t'intéresser peut-être. Peut-être, hein. Une capote de l'UMP. Ça t'intéresse? Non. Faire du fric avec l'écriture, c'est donner au premier malfrat. Suffit d'un nègre ou d'un plagiat, et le reste est littérature. Striptease vous déshabille.